Comment, une autre? Ouais. Bah, vous n'êtes pas très exigeants hein, ce soir, hein, les mecs. Hein. Non, parce que, par exemple, prendre un exemple, hier soir, les mecs, je suis sorti, ils ont crié 5 autres, 5 autres, je suis revenu, j'en ai chanté 5 autres. Vous, vous en voulez qu'une? Bon, bah, vous en aurez qu'une, tant pis. Ah, bah, tant pis. Ah non, c'est trop tard. Vous avez dit une, c'est une. Bon. 10 autres? Ça a pas la tête. Bon, on va voir. On va déjà en faire une. Je prends mon petit médicament pour la gorge. Et 2 heures sans fumer, c'est dur. Hein. J'arrête bientôt. À 50 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous emmener avec moi dans un bistrot imaginaire où j'ai réuni... J'ai réuni tous les amis que j'ai eus, tous les gens que j'ai aimés infiniment tout au long de ma vie et que j'ai perdu. Certains avec lesquels j'ai eu la chance insolente d'être copain ou d'être ami. Certains que vous avez connus et aimés, vous aussi, vous les reconnaîtrez au passage. J'ai tous réunis sous la houlette, sous la guitare de Jean-Pierre Bucolo, Titi, dans ce que j'ai appelé simplement mon bistrot préféré. Préféré quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire. Les jours de vague à l'âme ou les soirs de déprime, près de quelques artistes amoureux de la rime, je vide de 3 verres en parlant de peinture, de chansonnettes et de littérature. Il y a là bien sûr des poètes, le prince tirant sur sa bouffarde l'ami Georges Brassens. Il y a Brel aussi et Léo l'anarchiste. Je revise avec eux une célèbre affiche. Traîné vient nous chanter une folle complainte, cependant que Verlaine et Rimbaud à l'absinthe se ruine doucement en évoquant Villon, qui rôde près du bar et les mauvais garçons. L'ami René Fallet me parle de ses touches qui le font frissonner quand il pêche à la bouche, et du vin et des femmes et surtout des copains qui font la vie plus belle et des espoirs plus loin. Il y a Boris Vian, bon passant et bruant, écoutant les histoires d'un Coluche hilarant. Je m'assois avec eux pour quelques libations, entouré de des proches, des réserves, des tontons. Nous rigolons des cons avec Frédéric Dard, souvenir de prison avec le vieux Boudard. Audiard et puis Pagnol s'allument ton pernon, je lève mon verre à Robert Doisneau. Et au piano, jouant sa chalamèse, et nous chante l'amour qui l'appelle la baise. De verre est là aussi, dans un coin étreinte, avec Bernard Dimet, avec Bobby Lapointe, assis autour du voile. Il y a Jacques Rigaud, Franquin, Jean-Pierre Chabrol, Prévert et son égo. Parlons de suicide, Maurice René arrive. Et quelquefois, tout un art de vivre. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux. Je l'avoue, désolé, manque de femmes un peu. Et les amis, les potes, qui le hantent toujours, ça veut aussi bien qu'elle, ce que c'est que l'amour. Ils sont bien plus vivants dans ma mémoire, au moins, que la majorité de mes contemporains. Si demain la faucheuse vient me prendre la main, pourvu qu'elle me conduise au bistrot des copains.
Merci. Merci mille fois. Infiniment.